Entonces, ah, para iniciar ahí puedes ¿Ahí? prendido una Ok, vez. Sí, sí, perfecto. sí. Sí. Entonces, ¿lo dejo prendida o que lo prenda? No, se lo dejas prendido. Sí, yo apago por la tarde. ¿Y ya cierro todo? Entonces, Sí. las puertas. Se lo voy a dejar prendido. Esperamos tanto esperamos unos 5 minutitos Sí, o comenzamos. Sí, a ver si. Gracias. la conferencia va a ser en idioma francés, entonces si alguien requiere de los traductores, es el móvil de pues. Très bien. On attend peut-être. C'est la gente. Ah, les questions. D'accord, très bien, merci. Et on fait on-off et c'est tout. Ok, merci.
De una vez, vamos a empezar. Bien, buenos días. Vamos a comienzo ya nuestro último día de jornada de trabajo en este primer congreso de conservación de patrimonio documental. El día de hoy vamos a contar con la ponencia magistral de la doctora Anne Cartier-Bresson. Anne Cartier es directora del taller de restauración y conservación de fotografías de la ciudad de París, en Francia, y también es directora del programa de enseñanza de conservación de fotografía del Departamento de Restauración del Instituto Nacional del Patrimonio en Francia. Y nos va a dictar una ponencia magistral titulada La enseñanza de la conservación y restauración de fotografías, una estrategia de redes. Les cedo la palabra a la doctora. Gracias, Merci beaucoup. Je peux mettre la première diapositive? Non. Comme la première, c'est possible? C'est possible d'éteindre, voilà, la lumière au maximum. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis d'abord ravie et très honorée d'être ici dans à l'ENCRIM pour ce premier congrès qui a été donc initié par Fernanda Valverde, et à son invitation, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, nous abordons le thème aujourd'hui, donc le thème de la journée, tourne autour des problématiques de l'enseignement en conservation, restauration de photographies ou de documents visuels, en tous les cas pour ce qui me concerne, puisque vous avez compris que je suis moi engagée dans la discipline de la restauration des photos et de la conservation des photographies, et que l'enseignement est au cœur des problématiques de nos métiers, que les réflexions autour de l'enseignement, de la conservation-restauration posent des problèmes plus larges actuellement que ceux uniquement afférents aux photographies, bien évidemment, mais que la spécificité des matériaux photographiques, du médium photographique, et dans les collections, et dans le patrimoine, et dans la vie quotidienne, je pense, des gens dans la société, demande une réflexion, à mon avis, très spécifique sur ces matériaux afin de répondre à la diversité de ces problématiques. Les photographies sont des objets particulièrement méconnus, mal connus, mal compris, mal utilisés parfois dans beaucoup de collections patrimoniales. Peut-être que la photographie est mieux connue d'une certaine manière du grand public ou appréhendée différemment par le grand public que par les instances patrimoniales dans beaucoup de pays. Et c'est là la complexité de ce médium qui va être l'objet de ma réflexion autour de l'enseignement de la restauration des photographies que je voudrais aborder avec vous et surtout débattre avec vous tout à l'heure. Alors, pourquoi une stratégie de réseau, una estrategia de redes? Et pourquoi? Parce que
les photographies, et je devrais dire en boutade et en entrée de jeu que pour moi, la photographie au singulier n'existe pas. On va ensemble voir pourquoi on ne peut parler que des photographies au pluriel. Les photographies, donc, participent de par l'histoire, de par le mode, l'origine du médium, de par son mode de formation et de par son utilisation au cours du temps, participe forcément à une stratégie de réseau. Une stratégie de réseau parce que la discipline de la restauration des photographies, d'abord, est arrivée, dans les années 1980, si on la conçoit en termes modernes, hein, dans la modernité de la discipline. Dans les années 80, se mettait en place la conservation préventive, les disciplines liées à la conservation préventive, qui pour nous en photographie sont très importantes parce que on a beaucoup de problématiques de masse d'objets, liées à la masse des objets, et que généralement dans les collections, il est impossible d'appréhender une photographie plus une autre photographie plus une autre photographie, mais une globalité d'objets et de problématiques. Et que d'autre part, les années 80 aussi, dans le domaine général de la conservation des œuvres d'art et des biens culturels, on parlera d'ailleurs plus de biens culturels, et l'envol vraiment donc de la multidisciplinarité ou de ce qu'on pourrait appeler maintenant plutôt la pluridisciplinarité dans le regard que l'on peut avoir sur les objets que nous avons à restaurer, conserver, traiter et utiliser dans les collections. Alors, je remercie, avant d'aller plus loin, puisqu'on parle de stratégie de réseau, je remercie bien évidemment l'institution, l'ANCRIM, Fernanda Valverde. Je remercie beaucoup Carlos Rodriguez, qui est ici présent et qui a traduit, qui a eu la gentillesse de traduire ce PowerPoint, qui a fait un très très beau travail. Merci Carlos. Également, effectivement, je remercie les traducteurs et la traductrice qui a la gentillesse donc de traduire mon intervention de ce matin. Je m'excuse de ne pas arriver à parler en espagnol. Voilà. Donc cette stratégie de réseau est pour moi, je crois que voilà, ça sera un petit peu la charnière de mon introduction, importante à mettre en avant. Alors, vous allez peut-être vous interroger sur cette photographie que j'ai choisie, que j'aime beaucoup, d'un artiste français qui s'appelle Éric Rondepierre. Et j'allais dire, c'est l'autre volet de ce qui pour moi est important dans nos métiers. On parle d'enseignement. L'enseignement, c'est le futur. L'enseignement, c'est le futur de notre métier, le futur de notre travail actuel. Ce sont les plus jeunes qui vont prendre le relais et intervenir sur l'ensemble de ce patrimoine photographique. Donc l'enseignement est vraiment fondamental. Par contre, les auteurs, les photographes, les créateurs d'images, que ce soit des ateliers de quartier populaires, ou que ce soit des artistes que l'on va acheter dans les collections patrimoniales, sont, ce que j'allais dire, le nerf de la guerre, parce que ce sont eux qui produisent les matériaux que nous avons à restaurer. Et cette photographie d'Éric Rondepierre est un artiste français qui s'est beaucoup interrogé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs maintenant actuellement dans son travail, sur la notion de mémoire, d'altération, lié au cinéma et à la photographie, et notamment lié à la décomposition ici des films nitrates. Donc il reprend la décomposition de films nitrates du cinéma populaire français pour faire un travail esthétique, mais aussi de mémoire autour du patrimoine. Voilà. Donc ce lien, je pense que mon intervention aura aussi ces deux aspects. D'une part, comment enseigner, pourquoi enseigner la conservation des photographies et pour qui? Et d'autre part, qui sont les auteurs, qui sont les photographes, qui sont les gens que nous avons à promouvoir et à conserver dans notre mémoire et comment?
Alors, bien évidemment, la conservation des photographies, l'enseignement, il y a des principes déontologiques, méthodologiques communs à tous les pays du monde, internationaux, que nous promouvons dans des, à travers des organisations internationales. Dieu merci. Mais la réalité de chaque pays doit être prise en compte, la connaissance des collections et de la réalité historique et patrimoniale de chaque pays doit être prise en compte dans l'enseignement. On ne peut pas enseigner un objet patrimonial comme s'il sortait de la Lune. Il participe en fait à une mémoire collective d'un pays, et surtout la photographie. La photographie, c'est vraiment la mémoire collective d'une société. Et le contexte français nous dit que, effectivement, nous avons une responsabilité par rapport à cette histoire des origines de la photographie primitive qui est née en France et en Angleterre, avec une compétition, une émulation et une compétition entre les Français et les Anglais, qui aussi, j'allais dire, si on le prend sur le plan positif, explique la richesse du patrimoine, mais aussi la richesse de la littérature et de la possibilité de recherche que nous avions dès le début de la photographie dans ces deux pays. Le début de la photographie, elle est vraiment franco-anglaise, sur le plan donc de la recherche, de la mise en place de ces procédés. Et il y a donc cet objet, alors là vous avez un portrait au daguerréotype de Choisla et Ratel. En fait c'est Choisla pris par Ratel. Ratel et Choisla sont un couple de daguerréotypistes, et vous voyez à quel point donc la réalisation d'une bonne image, l'achèvement en fait d'un objet photographique était une problématique vraiment cruciale des premiers chercheurs, des premiers photographes, des premiers chimistes photographes du début de la photographie française. Alors, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette image, qui est un daguerréotype d'une place de Paris qui a disparu maintenant, qui est près du Louvre, qui n'existe plus, qui est donc inincunable. Vous savez que le daguerréotype est quand même un objet unique, c'est-à-dire que si on perd cet objet, on perd totalement, l'information. Et j'allais dire, en dehors même du fait que c'est de l'esthétique de l'objet, on perd l'information qu'elle contient. Donc, cet objet, en fait, m'aide à expliquer pourquoi aussi la conservation des photographies est si proche de l'archéologie. L'archéologie est pour nous, je pense, en France, une des disciplines qui doit intellectuellement nous aider à comprendre l'objet photographique du début. Comprendre la conservation, comprendre l'usage de l'objet, comprendre pourquoi cet objet est altéré de cette manière-là et pas d'une autre, pour pouvoir répondre et pour pouvoir trouver des solutions. Alors bien sûr, l'hommage que l'on doit faire en France, c'est comme en Angleterre, autour de la Royal Photographic Society de Londres, aux chimistes, aux premiers chimistes, qui étaient eux-mêmes les photographes, le Hardwicke, Thomas Hardwicke, qui a été qui est notre ancêtre, qui est l'ancêtre de l'enseignement et de la réflexion et de la recherche en conservation des photographies. Et en France, Alphonse Davanne. Davanne, qui autour de la société, pardon, là je mets les sigles, mais la SFP, ça veut dire la Société Française de Photographie, hein, comme la RPS et, pardon, la Royal la Royal Photographic Society. Les premiers travaux historiques et scientifiques faits autour de l'instabilité des selles d'argent et donc des photographies argentiques du début de la photographie remontent aux années 1850. Dès la fin des années 1840, les photographes avaient introduit des procédés et des méthodes pour améliorer la stabilité de leurs procédés. Le virage à l'or, les métaux nobles, la protection contre l'oxydation du grain d'argent. Ils avaient de manière intuitive déjà compris. Donc, le contexte, encore une fois,
de la littérature, de l'abondance de la littérature autour des sociétés savantes et des sociétés de photographes, est pour nous en fait vraiment un marqueur, parce que on doit rechercher dans les bibliothèques, dans les sociétés savantes, dans les sociétés photographiques, des informations qui nous aident à comprendre aussi notre médium. Donc on n'est pas dans un métier vierge qui a commencé en 1980, même si la conservation des photographies modernes démarre dans les années 80. Alors, pour qui travaillons-nous? Qui est le client? C'est une question très importante en photographie, parce que les photographies, on l'a dit déjà, elles sont partout. On a tous des photographies, il y a des photographies dans toutes les collections. La photographie, c'est la vie quotidienne, c'est la vie vivante. Voilà, c'est la vie qui se fait et qui se crée autour de nous. Alors, il est donc fondamental de comprendre pour l'enseignement dans quel contexte nous travaillons, sur quelle typologie d'institution nous travaillons. Si je prends l'exemple de la ville de Paris, à la ville de Paris, nous avons 25 musées d'art, 6 grandes bibliothèques publiques de consultation et des archives photographiques déposées dans soit des agences photographiques historiques qui ont démarré dès les années 1860, hein, dans l'histoire de la photographie, très très tôt, comme Roger Violet en France, comme Alinari en Italie, par exemple, tout le monde connaît Alinari, comme Jean Laurent à Madrid, hein, etc. Et que le statut, les missions, les manières de communiquer ces photographies et le statut légal et la loi sur les œuvres d'art, sur les œuvres, sur les biens culturels, ne sont pas les mêmes dans toutes ces institutions. Ça veut dire que enseigner la conservation des photographies pour ces institutions va demander une connaissance sur la législation, sur le droit, sur le prérequisite, on pourrait dire, la demande, la mission de l'institution. On ne va pas conserver pareil des photographies des musées de la ville de Paris, par exemple, ou des musées français, qui dépendent du ministère de la Culture, de la direction des musées de France, avec des lois et des protections très 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 bordées sur les œuvres d'art, qui sont légiférées, légales, que pour les bibliothèques, ou dans les bibliothèques, les photographies sont montrer au public parce que les directeurs de bibliothèques, qui sont des bibliothécaires, des chartistes, parfois de haut niveau, mais ont la mission de montrer l'original, de montrer la photographie, de la diffuser pour le public et pour le large public. Et dans les agences, bien sûr, la conservation des fonds est vraiment très très différente parce que, vous le savez, même si on a les mêmes auteurs, la même qualité d'image dans toutes ces institutions, on retrouve les mêmes auteurs, on retrouve des objets qui sont les mêmes. On retrouve en France Charles Baldus, Édouard Baldus, Charles Marville, Adjet, tous ces grands noms de l'histoire de la photographie, ils sont déposés dans des institutions dont les responsables des institutions vont les utiliser de manière complètement différente. Donc, c'est à la conservation de s'adapter à la demande de l'institution et pas au restaurateur conservateur de dicter sa loi à l'institution. C'est ce que j'appelle la pluridisciplinarité. Voilà. Alors, en France comme ailleurs, et là, à la fin du 19e siècle, j'allais dire la photographie arrête vraiment d'être une espèce de compétition franco-anglaise, elle est dans le monde entier, éclatée dans le monde entier, en termes de production d'images. Et quand les produits photographiques ont commencé à être industrialisés, les papiers, les films, les supports de négatifs ou les supports de tirage, eh bien, dans les institutions culturelles, il y a eu une espèce de perte d'intérêt pour la photographie et
avec la vulgarisation de la photographie, en fait, un problème de conservation qui a été vraiment crucial, qu'on a redécouvert dans les années 80, et qui explique que les gens qui devaient eux-mêmes, dont la mission était de conserver la photographie, hein, les conservateurs, comme par exemple ici pour Henri Vigneault. Henri Vigneault est un ami de Man Ray. C'est un photographe qui a travaillé dans la photographie publicitaire à l'époque de Man Ray, à Paris, et qui maintenant est complètement redécouvert, mais qui à l'époque était considéré comme un photographe publicitaire, donc peu important, on se permettait d'écrire, vous voyez, de crayonner sur la photographie, d'utiliser la photographie comme un objet vraiment documentaire. Donc en gardant sa valeur documentaire, mais en oubliant sa valeur patrimoniale historique, voilà, qui aurait dû être quand même de la mission de la bibliothèque. Donc la multiplication des fonctions et l'utilisation documentaire, cette confusion dont on a beaucoup, entre l'image et l'objet photographique, est vraiment l'héritage du tournant du siècle et du début de l'industrialisation de la photographie, et on peut dire qu'il a été majoritairement problématique jusqu'après, bien après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 1960-70. Donc maintenant, le restaurateur, il faut apprendre, puisqu'on parle d'enseignement, qu'est-ce qu'on fait avec une image qui a vécu dans le temps avec des, on pourrait dire, des traces qui sont des traces ajoutées. Est-ce qu'on doit préserver les traces du temps, l'usage de la photographie, la manière dont elle a été utilisée dans les collections? Est-ce qu'on doit le respecter? Ou est-ce qu'on doit restaurer? Ou est-ce qu'on doit donc considérer que c'est Vigneault qui doit être privilégié et essayer de rechercher pour savoir en fait qui est intervenu sur cette photographie et qu'est-ce que le restaurateur doit faire de ces traces d'usage. Est-ce que ce sont des traces d'usage ou est-ce que ce sont des traces d'origine? Alors, la photographie, tout à l'heure je disais, on ne devrait pas dire la photographie, hein, c'est comme le genre humain, le genre végétal, etc. Alors, de manière générique, on peut définir la photographie. Mais quand on travaille sur les objets, quand on parle d'objets photographiques, c'est clair qu'il est important de comprendre que chaque objet photographique est unique. Même si on est dans des générations et dans des multiplications de tirages possibles, d'après un négatif. Là, le négatif que vous avez là, je ne sais pas si ça marche, peut-être, le petit crayon. Bon, ce n'est pas grave. Le négatif que vous avez là est un négatif 24-36, qui est bien évidemment pour le photographe, que le photographe va appeler, qui est l'objet unique pour le photographe, puisque c'est l'objet de la prise de vue. Et là, il n'y en a qu'un. Mais de ce négatif, donc, surtout par rapport à cette technologie du XXe siècle, eh bien, bien évidemment, ça vous le savez, le photographe a pu faire énormément de tirages différents, mais avec des typologies très différentes, et des tirages avec des usages très différents. Et ça, le restaurateur, le conservateur, doit l'apprendre, doit le savoir, et doit l'identifier. En deux mots, un tirage de presse n'est pas un tirage de collection. Un tirage de collection n'est pas donc fait pour la reproduction. Il est fait pour être valorisé, peut-être, etc. Un tirage d'exposition n'est pas forcément la même technologie et le même mode de tirage qu'un tirage de collection. Et tout ça, donc, c'est cet apprentissage du médium qui est fondamental par rapport à la stratégie d'enseignement dont on va parler tout à l'heure. On ne peut pas, en deux mots, bien sûr, en photographie comme ailleurs, restaurer, conserver correctement, si on ne comprend pas la hiérarchie entre les différents objets photographiques produits dans l'histoire de la photographie. Alors, dans les années 80, effectivement, en tous les cas en France, il y a eu une espèce de choc. Les institutions,
les politiques, l'État, la ville de Paris, les municipalités, pas seulement Paris, Chalon-sur-Saône avec le musée Niépce, enfin, je veux dire, les instances dirigeantes sur le plan culturel, ont réalisé que l'ensemble du patrimoine photographique français était en péril, vraiment en péril. Et en péril pourquoi ? Parce qu'il y avait justement cette déconnexion, donc dans l'histoire des biens culturels du XXe siècle, entre l'image et l'objet. Et que les objets originaux étaient en train vraiment, pas de disparaître, mais enfin qu'une très grande partie du patrimoine photographique français était en péril parce que peu connu, pas étudié et pas valorisé. Et donc les années 80 en France, c'est très important pour la photographie. Ça a été le mois de la photographie à Paris, c'était déjà l'envol des rencontres internationales d'Arles dans le Midi, des biennales liées à la création photographique. Mais donc la création photographique qui a commencé à s'intéresser au patrimoine, qui a commencé à s'intéresser à l'histoire. Et donc, effectivement, dans les années 80, cette reconnaissance du patrimoine photographique dans les institutions, tout d'un coup, a obligé à s'interroger sur l'enseignement, sur pourquoi il y a besoin de restaurateurs, conservateurs spécialisés en photographie. Et comme vous le savez, notre métier, il est lié à la valeur économique d'un objet. On ne restaure pas ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ignore ou ce qui n'a pas de valeur économique. Donc le marché a été très, très important. Et vous le savez, le marché actuellement est en plein envol dans la photographie, il suffit de lire la presse. Mais en photographie, c'est très compliqué. Parce que nous avons dans nos fonds, par exemple, bon, je fais référence à Gustave Legray parce que Gustave Legray est peut-être le français le plus connu, le photographe français le plus connu du 19e siècle. Gustave Legray, on en a partout. Il y a encore 20 ans, on en trouvait en province, on achetait des cadres avec une photographie de Gustave Legray et les gens achetaient pour le cadre. Ils ne faisaient pas attention qu'il y avait la photographie dedans. Moi, je dis ça parce que j'ai vraiment cette histoire d'un ami qui, il y a encore 20 ans, c'est rien. La production du 19e siècle était énorme. Et en fait, maintenant, le regard, le marché qui va maintenant donner des prix à ces photographies anciennes, va donc susciter ce besoin, bien évidemment, de spécialisation, mais aussi ce besoin dans les institutions culturelles de rechercher, de faire les études, d'aller voir ce qu'on a dans nos fonds. Alors, pourquoi je vous mets cette image-là ? Cette photographie de Legray a été redécouverte à la maison de Victor Hugo, qui est un petit musée de la ville de Paris, mais très important pour l'histoire de la photographie française, parce que Victor Hugo était un grand promoteur de la photographie, hein, ça vous le savez peut-être. Il y a trois ans, on a redécouvert une vague de Legray. Donc là, c'est un très bon argument pour dire qu'effectivement, le restaurateur conservateur, le spécialiste de photographie, peut faire gagner de la valeur aux collections photographiques. Donc l'idée d'utiliser des services de restauration comme dans des municipalités, dans des localités, dans des archives, quelles qu'elles soient, mais publiques, comme avec une mission, qui est une mission évidente, donc, d'utiliser ces fonds comme ce que j'appelle le laboratoire pour l'histoire matérielle de la photographie. Elle est là, elle est importante. Nous avons ces fonds, nous les avons. Il faut savoir maintenant les utiliser. Et savoir les utiliser, comme je disais tout à l'heure pour le futur, c'est l'enseignement. C'est mettre en place des structures d'études, de regard, de compréhension des objets. Voilà. Qu'un objet négatif, et ça, Fernanda Valverde le sait très bien, puisqu'elle a été très, très pionnière dans l'analyse des négatifs. Le négatif est un objet qui a été redécouvert de manière patrimoniale il y a très peu de temps.
Les bibliothèques avaient les négatifs, mais ils ne savaient pas les utiliser. Ils ne savent pas les regarder. Et on parlait à la Casa de Francia avant-hier de la numérisation des fonds. Très souvent, ces objets négatifs sont numérisés comme s'ils étaient des positifs, pour l'image. Alors, quand on veut faire de la conservation préventive, dire c'est très bien d'utiliser la numérisation, on va utiliser la numérisation parce que ça va dans le bon sens, pour ne pas toucher l'objet original et ne pas donc l'altérer. Mais si on ne sait pas la numérisation, ce qu'on a dans les fonds, ça ne sert à rien. De nouveau, on est obligé d'avoir recours à l'original parce que l'image numérisée, quand elle est mal indexée, mal comprise, mal inventoriée, on ne sait pas ce qu'on regarde sur un écran. Voilà. Donc là, c'est là que le restaurateur doit absolument intervenir et travailler avec la chaîne, donc comme je disais, le réseau de personnel, la multidisciplinarité dans les collections, c'est ça. C'est que chacun amène sa connaissance pour avoir une connaissance globale de l'objet. Alors maintenant, le contemporain. C'est vrai que nous, en France, on a un vieux patrimoine historique, patrimonial, très, comme je disais, partout important. Donc ça a été la priorité. La priorité dans les années 80, c'était d'enseigner dans la restauration des photographies anciennes, pour les archives, pour les bibliothèques, pour les musées, parce que ces œuvres étaient en péril. Maintenant, le contemporain. Le contemporain arrive vraiment sur le marché depuis, on peut dire, une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, les œuvres contemporaines, vous le savez, coûtent plus cher. Elles ont plus de valeur quand on veut acheter un Gursky au musée d'art moderne de la ville de Paris. Eh ben, on peut plus. Donc, le métier de la conservation et de la restauration des photographies, ben, bien évidemment, nous on suit le domaine de l'œuvre. Et donc, on est obligé de s'adapter et de prendre maintenant des mesures conservatoires, des mesures analytiques, des mesures méthodologiques pour conserver ces objets photographiques. Et vous savez que maintenant, dans l'art contemporain, c'est 80-90% d'œuvres contemporaines, c'est de la photographie. Donc, à savoir comment donc préserver ces objets qui sont extrêmement demandés, utilisés, montrés dans les fonds. Voilà. Donc, de mettre en place des systèmes de diagnostic, d'analyse, de bilan de conservation adaptés à chaque typologie de collection. Et là encore, pour l'enseignement, je dis qu'il n'y a pas une photographie, mais il y a maintenant besoin de généralistes, comme en médecine. Il faut comprendre un peu tout, mais qu'on ne peut pas, une personne ne peut plus maintenant, dans le domaine de la photographie, être spécialiste de tout. Hein? En médecine, il faut le chirurgien, il faut l'anesthésiste, il faut l'infirmière, il faut tous les niveaux de compétences. En restauration de photographie, c'est pareil, parce que les matériaux explosent. Donc l'enseignement doit suivre. La réponse, eh bien, la réponse, bien sûr, ça a été, merci là à toutes les collections pionnières, et notamment à la George's Van House, hein, je sais que Fernanda en a, d'autres participants au congrès en ont beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que le rôle de Rochester, comme ville photographique de Kodak, a été fondamental dans les années 70. Parce que, en 1971, s'est créé le premier laboratoire de restauration public, hein, pas privé, public, c'est-à-dire permanent, c'est-à-dire pérenne, c'est-à-dire avec des méthodes qui sont attachées à l'institution, au monde. Voilà. Donc, hommage, effectivement, aux précurseurs. Donc, nous, à la ville de Paris, eh bien, le premier atelier de restauration publique, ça a été le nôtre en 83, donc quelques années après, qui nous a permis donc d'être les promoteurs de l'enseignement. Parce que qui enseigne? Donc maintenant, qui sont les professeurs qui enseignent? Je pense que les premières générations de restaurateurs de photographie ont été très très vite amenées, et même peut-être trop vite. Moi, j'étais étudiante, on me demandait déjà d'enseigner.
à l'époque, dans les années 80, parce qu'il n'y avait personne. Il y avait les photographes, il y avait les archivistes, il y avait les historiens, mais il n'y avait pas de restaurateurs de photographie. Donc il faut avoir conscience dans l'enseignement que notre métier, il est très 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 récent, très récent. Donc, les premiers programmes, bien sûr, ont commencé à s'installer forcément à partir de ces années-là. Et ces programmes se sont appuyés de manière assez logique, bien évidemment, sur les ateliers publics qui ont commencé donc à exister à la fin des années 70, début des années 80. Alors, donc, en France, ce qu'on peut dire, et je pense que c'est un peu le cas ailleurs, nous avons deux grandes écoles pour former les conservateurs-restaurateurs de photographie. La première a été à Paris 1, à l'université donc, de Paris 1, Sorbonne, qui délivre un diplôme, un master, on peut dire, un diplôme en conservation des biens culturels. Ce master de Paris 1, moi, j'en viens, hein, c'est ma formation initiale, est très liée à l'archéologie, à l'analyse des biens culturels archéologiques ou à la peinture ou à des domaines qui sont plus traditionnels peut-être de la conservation et de la restauration. Mais il y a eu quelques spécialistes de la photographie au début qui sont sortis de l'Université de Paris 1. La deuxième grande école en France, qui dépend là du ministère de la Culture, et l'Institut National du Patrimoine. L'Institut National du Patrimoine, et là c'est intéressant par rapport à la stratégie de formation des restaurateurs, l'Institut National du Patrimoine est une école française nationale du ministère de la Culture qui a deux branches. La branche qui va former les conservateurs du patrimoine, curators, d'accord ? Les historiens responsables des fonds légalement. Et l'autre branche va former les restaurateurs, conservateurs. Alors la terminologie, elle est compliquée parce qu'en France, on va dire conservateur pour le curator, pour l'historien, et les Français disent le restaurateur conservateur maintenant, ou le restaurateur du patrimoine pour celui qui s'occupe de l'histoire matérielle, de l'histoire matérielle physico-chimique de l'œuvre. D'accord ? Ça, c'est les Français. Bon. Donc, ce master en conservation de photographie, on l'a créé au sein de l'Institut National du Patrimoine en 1989. Première promotion est sortie en 1989. C'était, en 1989, 4 ans d'études. Maintenant, on est à 5 ans d'études parce qu'on est au niveau, comme vous ici, à l'ENCRIM, ce qui est très, je pense qu'on a un modèle qui est très très semblable hein, de formation. 5 ans d'études, c'est le master européen. C'est au niveau du master européen. Vous savez qu'en Europe, on a un système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorate, doctorat. Le doctorat, c'est le PhD. Le PhD peut être un peu américain, bien que c'est la thèse, et c'est généralement 8 ans. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que maintenant en France, les restaurateurs ont la possibilité, quand ils ont eu le master, le grade, le niveau, le diplôme de master de l'INP, de passer en thèse. La thèse, pour nous, c'est le doctorat. Dans notre discipline de la conservation-restauration, ce qui est complètement nouveau. Avant, moi, à mon époque, quand j'avais terminé mon master, pour faire un doctorat, j'étais obligée de passer en histoire de l'art. Ou d'autres collègues ont été obligés de passer en chimie, ou en physique, ou en sciences. Maintenant, non. En France, il y a un lien entre l'université et l'INP qui fait qu'on peut passer directement du master, donc dans le domaine pour faire une thèse, un doctorat. Ce sont les derniers textes qui se mettent en place actuellement. Autour de cette réflexion de créer vraiment un doctorat en restauration-conservation. Et là, c'est photographie ou autre, hein, dans tous les domaines.
Voilà. Donc alors la stratégie qu'on a mis en place, et peut-être qu'il faut que je me dépêche un peu en France, elle est très simple, et ça je pense qu'elle est, Elle va s'appuyer sur la réalité du champ, la réalité des collections. Et la réalité des collections, c'est les collections publiques. La France est un pays très, vous le savez certainement, centralisé, avec un État très fort, et avec le rôle de l'État très très fort dans les institutions culturelles. Donc en fait, le lien qu'il y a entre mon service Ville de Paris, qui est un service public, dont moi je dis qu'il a été créé comme laboratoire de l'histoire matérielle de la photographie, et l'enseignement donc de l'Institut National du Patrimoine, eh bien tout ça doit marcher ensemble, un peu comme à Delaware, on évoquait avec nos collègues américains le fait qu'il est fondamental que des étudiants en conservation-restauration puissent s'appuyer sur des œuvres qui sont des œuvres du public, des œuvres permanentes sur lesquelles on peut avoir recours, qu'on puisse travailler. Donc ce lien, ce réseau dont je parlais dans le titre, c'est ça aussi. C'est un réseau entre, en fait, les écoles d'enseignement et les archives publiques, les bibliothèques, les musées, voilà, qui, en fait, vont permettre ce réseau et attacher les étudiants à des études qui sont des cas réels, qui sont des cas. L'INP, il y a une règle qui est intéressante, c'est que les étudiants n'ont le droit de travailler que sur les œuvres publiques, des institutions publiques, pas pour le privé. On n'a pas le droit de travailler sur le privé parce qu'on considère qu'il y aurait une compétition avec le marché. Les restaurateurs privés travaillent sur les œuvres privées, les étudiants d'écoles publiques travaillent sur les œuvres du public. Ça semble normal. Voilà. Donc les priorités, ce sont les études de collection, les bilans de conservation. Là, vous avez l'équipe de la RCP. Là, vous avez un cours qui est un cours à la Société française de photographie, fait avec l'INP, où les étudiants doivent donc faire des bilans de conservation en cas réel, sur des collections réelles, bien sûr. Et je sais que c'est effectivement la même stratégie qui est appliquée ici à l'ENCRIM. Alors, en photographie, on va particulièrement insister, parce que c'est le seul moment méthodologique fondamental pour le restaurateur, sur la compréhension de la fonction des photos. Parce que tout le monde maintenant, et c'est très bien, hein, c'est très très bien, il faut le faire, mais tout le monde maintenant dans notre domaine ne parle que de la matière, la matière, la matière, la matière. Il y a la matière, oui, il y a le procédé, il y a la technique, mais alors, la fonction, l'usage, ça c'est l'archéologie. Qu'est-ce que c'est qu'un objet photographique? Est-ce que là j'ai un vintage? Est-ce que c'est un tirage original d'époque? Est-ce que c'est un tirage tardif? Est-ce que c'est un tirage de presse? C'est tout ça qu'on doit enseigner. Parce que après, c'est fini. Après, c'est trop tard. La méthodologie du regard sur l'objet photographique, c'est là qu'il faut l'apprendre. C'est là qu'il faut que le mécanisme se mette en route. C'est dans les écoles. Dans les écoles, l'école est le vecteur du regard sur l'objet photographique historique. Voilà. Donc, bien sûr, après, élaborer une collection d'études didactiques avec l'histoire du papier, du daguerréotype aux impressions numériques, s'appuyer sur les recherches internationales du Getty Conservation Institute, de Duchamp Stulig, de Paul Messier, de nos collègues, de Fernanda Valverde, de nos collègues, ça c'est très important. Donc décloisonner, prendre les informations, étudier, regarder et surtout élaborer une collection didactique propre à l'école sur laquelle les étudiants vont pouvoir travailler et comprendre, parce qu'ils ont formé eux-mêmes les images, comment l'image s'altère, comment elle se forme, etc. Ça, c'est fondamental. Et en plus, c'est le plaisir, parce qu'ils adorent ça, c'est merveilleux, ça fait passer la passion de l'objet photographique au cœur de la formation du restaurateur. Voilà. Donc, on fait la pratique des techniques.
Il n'y a pas, bien sûr, la pratique des techniques en photographique. Et là, là vous avez ce personnage, c'est Patrick Bateman-Grand. C'est un artiste très, très important en France qui a recréé, comme d'autres dans d'autres pays du monde, hein, on parlait avec Fernanda de d'autres photographes qui s'intéressent aux techniques historiques. Ces gens-là peuvent nous aider et nous, nous pouvons les aider aussi. Donc ce lien entre les photographes qui créent, qui s'intéressent aux techniques anciennes, qui ont lu les manuels, qui recréent les techniques, là le daguerréotype, et nous, est fondamental. Voilà, donc après bien sûr, et là c'est de la technique. La technique, elle vient toute seule. Quand on a compris un objet, on peut répondre en termes adéquats sur le plan de la restauration, avec la déontologie commune qui fait que la limite de l'intervention, on doit la comprendre pour ne pas abîmer l'objet, bien sûr, mais que la technique, j'allais dire, elle vient après la compréhension de l'objet, sa création, l'analyse. Voilà. Donc après, les méthodes de restauration, elles sont individuelles, c'est ce que j'appelle la haute couture par rapport au prêt-à-porter. La haute couture, elle est importante, mais elle vient après. Elle vient après toute cette méthodologie. Du daguerréotype, bien sûr, maintenant, on en a parlé ici hier et avant-hier, aux nouvelles technologies. La photographie, elle bouge tous les jours, puisque on est dans le domaine commercial. Maintenant, les produits sont commercialement sortent commercialement. Donc je vais aller un petit peu vite, pardon, parce que le temps passe, mais il est important que chaque élève comprenne les modifications intellectuelles liées à l'usage des objets autant que les modifications dans les imprimantes Epson, jets d'encre, pigmentaires, les papiers, les encres, tout est important. Il ne faut pas, voilà, qu'un objet maintenant contemporain, j'allais dire, s'appuie dans la restauration sur la connaissance de l'historique. Bien, donc après, la protection, les gestes, la manipulation, les reconditionnements, les plans, les expositions. Là, les étudiants à l'INP travaillent sur des expositions réelles. On fait des expositions. Là, cette jeune femme, elle est en stage et elle est en train donc de faire les constats d'état pour l'exposition du musée Bourdelle qui s'appelait l'atelier du photographe que nous avons fait elle était en stage donc de troisième année à la RCP et c'est elle qui a fait les constats d'état avec les restaurateurs de la RCP sur cette exposition. Et alors ce sont des expositions encore une fois où on peut exposer là des incunables. Là, vous avez un objet que vous voyez très mal, hein, je suis désolée, mais qui est... Décidément. Voilà, cet objet-là, c'est un photomontage... oui, ma petite flèche, elle est là. C'est un photomontage de Victor Hugo. Ça part tout seul, pardon. Là, vous avez un platine d'Irving Penn. Oups, parce que je cherche ma flèche. Ouais. Ah voilà, elle est là. Là, vous avez un platine d'Irving Penn qui est donc qui est en train d'être mesuré en colorimétrie avant l'exposition. Donc, ce sont des incunables. Donc, les étudiants doivent travailler directement sur des objets qui sont des objets importants du patrimoine, mais ils doivent être encadrés, bien sûr, pas tout seuls. Voilà, là c'est le montage d'une exposition où on a exposé que des négatifs papier, des calotypes du groupe du Café Gréco, qui sont des procédés négatifs papier, procédés Blancard et Vrard, négatifs, ce ne sont pas des calotypes, on ne va pas les appeler calotypes, hein. Calotypes c'est Fox Talbot, c'est le procédé anglais, là ce sont des procédés Guillaume Saguez, Blancard et Vrard, qui ont bien évidemment besoin d'une muséographie particulière. Cette muséographie, c'est un mur creux où on a mis de la ventilation, où on contrôle la lumière, où on peut gérer avec l'architecte. Là, en fait, il y a un élève, Gaël,
que vous voyez de dos en rouge, là, qui est un élève qui était en troisième année, qui était aussi en stage et qui a participé à l'élaboration de cette exposition à la Maison européenne de la photographie. Voilà. Alors ensuite, la documentation. Je termine là-dessus parce que je suis très en retard. La documentation, bien sûr, pour l'enseignement, c'est, là aussi, c'est vraiment la charnière. Arriver, faire les rapports, documenter, expliquer. Documentation visuelle, documentation écrite. Alors, avec maintenant, là on a un cours de reproduction de photographie, hein, les élèves doivent apprendre à faire leur propre documentation. Les fiches de traitement pour les daguerréotypes, les fiches de traitement pour le contemporain, les fiches de traitement pour les autochromes, les fiches de traitement pour voilà, les albums photographiques. On a vu hier ici au congrès que des fiches de traitement doivent être spécifiquement dessinées et élaborées pour des typologies de photographies ou d'objets différents. Et ça, c'est très important que les étudiants apprennent à faire leur propre outil de documentation, documentaire. Alors, la documentation écrite, on doit bien évidemment, même pour des protocoles de protection, expliquer et faire les dossiers afférents. Et ça, je terminerai en fait en disant que pour nous, la recherche en restauration de photographie, bien sûr, les chimistes, les physiciens, les opticiens sont fondamentaux, ils doivent nous aider, mais que c'est encore une fois le restaurateur, l'étudiant restaurateur, quand il fait sa thèse, quand il fait son mémoire de sortie, qui fait avancer la discipline. La spécificité de notre discipline, c'est pas la chimie, c'est pas la biologie, c'est la conservation-restauration. Voilà. Et que ces thèses, là, on a deux mémoires de diplôme, de fin d'études. Et les mémoires de fin d'études, ils sont accessibles sur le web, d'ailleurs, ceux de l'INP. C'est important de voir à quel point ils sont différents et qu'on va du très, très historique. Là, on a des plaques. L'année prochaine, on a une élève qui va travailler. Où est ma petite flèche? Pardon. Sur les plaques Lippmann. On en parlait avec Nadine Vera hier, qui s'intéresse au procédé. Donc, sur des incunables et sur l'origine de la photographie, hein, comment les restaurer, ça, c'est une thèse d'une année, c'est une thèse de diplôme, où l'étudiant doit travailler pendant une année sur un corpus, et faire donc sortir son mémoire qui englobe l'histoire de la collection, l'histoire de l'objet, l'analyse de l'œuvre, les constats d'état, les propositions et les protocoles de traitement, et puis bien sûr la documentation. Ou là, un autre objet qui va être en diplôme l'année prochaine à l'INP d'une autre étudiante, c'est un sténopé qui est unique, donc c'est un objet unique qui fait 2,50 m de long, de Felten Messinger, qui sont deux artistes belges, qui sont en fait produites sur papier ilfochrome, donc papier à destruction de colorants, le Silver Dye Bleach Process, comme disent les Anglais, qui a été donc produit en 2003 et qui fait partie des collections du Fonds municipal de la ville de Paris. Voilà. Donc, ce sont des objets patrimoniaux. Les étudiants doivent apprendre à travailler sur des objets comme si tous les objets étaient des incunables, au même niveau, que ce soit des objets qui viennent d'archives familiales, d'archives, ou que ce soit des objets qui soient des œuvres d'art, de musées d'art. Les étudiants doivent vraiment apprendre à adapter leur méthodologie, mais à les respecter et à appliquer la même déontologie. Voilà. Donc maintenant, en conclusion, et je m'excuse d'être trop longue, pour nous, il est important de dire que même si la conservation, restauration des photographies n'a rien inventé et qu'elle s'appuie sur les connaissances sur le verre, sur le papier, sur les métaux, sur l'argent, sur l'or, que nous sommes quand même donc des grands, on peut dire, emprunteurs de méthodes aux autres matériaux du patrimoine, mais que la photographie ou les photographies doivent être, j'allais dire, considérées comme une spécialité parce que c'est très complexe. Que nous devons nous adapter quotidiennement aux mutations des images,
Et maintenant, on arrive aux images virtuelles et à comment traiter, vous le savez, les images virtuelles dans les collections. On en a aussi parlé à la Casa de Francia mercredi. Et que, pour nous, je pense que l'enseignement doit être vraiment en conservation-restauration des photographies, le véhicule de la recherche, de l'avancement, de la compréhension de l'œuvre. Voilà. Et enfin, je termine sur cette image d'une artiste française qui s'appelle Claire Chevrier, qui pour notre exposition qui s'appelait l'objet photographique à la Maison européenne de la photographie, a eu la gentillesse de nous faire un objet qui est un positif direct. Elle est en train de créer sa photographie. Claire Chevrier est une photographe qui s'intéresse aux matériaux. Et là, elle est en train de faire un positif direct en reproduisant la fenêtre de l'atelier de restauration hein, de la Maison européenne de la photographie. Et c'est une œuvre qu'elle a produite pour montrer donc, comment on produisait des positifs directs sur papier diazotype fixé à l'ammoniac, qui est une œuvre évolutive. Voilà. Qui est maintenant rentrée dans les collections de la Maison européenne de la photographie. Merci beaucoup. Grazie. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para alguna pregunta ficción? Ah, sí, sí, sí. Gracias. Disculpe. Je sais pas. ¿Listo? Sí. Buenos días, muchas gracias por esta exposición. Maravillosa. Es una visión muy experta de la práctica de la relación de fotografía. ¿Algún problema? Ah, otra pregunta. Oui, voilà, ça y est. Merci. Pardon. La pregunta es un poco. ¿Es posible, dado que el patrimonio fotográfico es tan diverso, los objetos son tan diversos, una belleza, la información que contienen es tan diversa y su materialidad es tan diversa? ¿Será posible elaborar una cierta guía o algo un poco más concreto para jerarquizar los objetos? Porque como siempre son tan numerosos, hay que discriminar con qué empiezo, por dónde empiezo, por qué tipo de objetos, los más antiguos, los más importantes, los históricamente importantes, los que son históricamente importantes para la fotografía como un arte o como una técnica, o sea, hay tantos criterios para abordar el objeto fotográfico y toda esta discusión y toda esta reflexión que se hace en las instituciones públicas genera cierta guía, ¿no? Pero ¿será posible hacer una guía un poco más clara que además se pueda usar en el terreno privado? Porque en las instituciones públicas hay una guía que depende, como decías tú, pues, del criterio de la institución, de cuál es su vocación, etc. Pero en la parte privada pues, no es tan claro, que depende pues, muchas veces del coleccionista directamente, cuál es su visión, su protección. Entonces, ¿cómo poder elaborar? ¿Será posible? La pregunta es si es realmente posible elaborar una. La guía para cómo categorizar una colección y por dónde empezar. Oui, alors, je pense qu'effectivement, oui, ce problème est important. C'est pour ça que, bon, là, c'est vrai qu'on parlait de l'enseignement. Hein, on parlait, le discours de ce matin, c'est comment enseigner ou quelles seraient les manières, les stratégies d'enseignement pour créer une discipline de spécialiste. Par contre, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, en matière de photographie, on a beaucoup de retard.
énormément de retard de connaissances, de méthodologie, de voilà. Et je crois que la question que vous posez, c'est quand on arrive, quand on arrive dans un système réel, qu'on a des archives réelles à conserver, beaucoup de gens à tous les niveaux, privés, les collectionneurs, les familles, les dépositaires de photographies et même d'ailleurs dans les institutions publiques, sont très démunis. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. La photographie, c'est très récent. La conservation des photographies, c'est encore plus récent. Alors, comment on essaye d'y répondre? Moi, je n'ai pas de règles exceptionnelles. On essaie d'y répondre. D'une part, en créant des structures spécialisées. D'accord? Les écoles de restauration-conservation, ça va créer des diplômés, des spécialistes. Ce que j'appelle les futurs enseignants. D'une part. D'autre part, on y répond en faisant de la formation continue. Ce qu'on appelle la formation continue, je ne sais pas comment on dit en espagnol, c'est enseigner avec des modules brefs, courts, à des professionnels, les bases de comment faire, comment commencer, les priorités, j'ai une collection, quelle est ma collection, comment j'y réponds. Donc toutes ces questions que vous posez, elles peuvent tout à fait passer par le biais de formation continue. En France, on en a énormément. En France, il y a, là je parlais des écoles, du diplôme, des spécialistes, mais en France, on a les collectivités publiques, dans les archives, dans les musées, dans les bibliothèques, on a beaucoup de formations qui permettent aux professionnels, et là c'est vrai, c'est aussi beaucoup, mais qui sont ouvertes aussi aux collectionneurs ou aux privés, de s'inscrire et donc de bénéficier de sections courtes de formation. Tout le monde n'a pas besoin d'être spécialiste. Tout le monde n'a pas besoin de vous voyez ce que je veux dire. Donc tous ces niveaux de compétences différentes, ils sont décrits, d'ailleurs c'est intéressant, dans un texte que j'ai amené là, qui est un document de l'ECHO. L'ECHO, c'est, alors en anglais, c'est l'Association européenne des conservateurs-restaurateurs. Et cette association sort des textes, donc justement, pour définir tous ces niveaux de formation différentes. Technicien de conservation, pour nous, c'est 3 ans. En 3 ans d'études, on est technicien de conservation, donc on peut faire certaines tâches, mais on ne fait pas de restauration poussée. Voilà. Le restaurateur conservateur diplômé, lui, est le seul habilité à travailler sur les collections publiques, parce qu'il y a une protection légale de l'œuvre, du bien culturel. Mais autrement, la transmission d'informations, on la fait quotidiennement. Et, alors, je suis désolée, je connais mieux le public que le privé, mais dans le public, nous, à la ville de Paris, l'équipe, on est 14 personnes dans mon atelier, l'équipe de conservation préventive, une de ses missions, c'est de former le personnel aux tâches, par exemple pour la numérisation, en amont, etc., aux tâches de l'indexation sur le plan technique, de la technique, donc de l'analyse, et aux tâches, donc à leur apprendre à identifier les procédés, etc., et aux tâches du nettoyage, du dépoussiérage-nettoyage et du reconditionnement. Le reconditionnement. Mais ça, ce ne sont pas les restaurateurs diplômés qui doivent le faire. Voilà. Alors, en dehors des formations, moi je suis pour la formation directe, moi je suis pour l'être humain. Je crois que c'est indispensable de travailler avec des équipes, des hommes, des gens, voilà. Mais il y a des manuels. Il y a des manuels. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'informations écrites qui peuvent aider. Moi, je crois que les manuels peuvent aider une fois que vous avez eu le contact humain avec des stages, avec une formation, avec des gens qui vous expliquent. Après, vous pouvez avoir recours, pour moi, aux manuels de conservation préventive, aux atlas de procédés photographiques. On trouve beaucoup de choses quand même maintenant en information. Mais c'est vrai qu'on trouve moins dans le domaine contemporain, parce que le domaine contemporain, c'est normal, on a encore moins de recul que dans l'historique. Donc on avance. Mais je crois que l'enseignement, c'est ça. Enseigner aujourd'hui,
c'est former des gens qui vont écrire les manuels, qui vont faire la formation, qui vont continuer à prendre le relais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Nadine. Ah, en espagnol. Pardon. Oui. Hablo de un programa de doctorado después de la formación de escuela. Aquí vemos muchísimos alumnos egresados de la escuela. No sé si ya existe o está en curso el doctorado en conservación y restauración. Y si será posible para extranjeros como nosotros poder hacer, no sé cuál sea el, porque sé que es para después de maestría, en la escuela de allá sale ya como maestría después de 5 años, pero no es igual que aquí, también salimos después de 5 años, pero no es una maestría como tal cual, como máster. ¿Será posible o no? Justamente para esta idea de la, continuar en la formación y enseñanza. Oui. D'accord. Alors, d'abord, première réponse, en France, à l'INP, on a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup, on a eu un Espagnol, un Catalan, j'allais dire Espagnol, un Catalan, une Portugaise, des Italiennes, bon, on a. Hein, des... Par contre, il faut parler français. Je sais que le problème du français est un vaste débat très très politique en France en tous les cas, à notre niveau, que le problème c'est que le concours c'est un concours pour entrer à l'INP en formation initiale et qu'il faut passer le concours en français. Les cours sont en français. Bon, ça c'est une première difficulté qui n'est pas pour toi puisque tu parles français. Bien évidemment, la France a toujours eu, comme tous les pays du monde, des étudiants étrangers, heureusement. Ça serait triste. Donc, les étudiants étrangers sont très, au contraire, très valorisés, très bien reçus dans nos écoles, s'ils parlent français. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première chose. Par contre, il faut le master. Parce que dans le système européen, pour avoir un doctorat, il faut un master. C'est, voilà. Il faut passer par un certain nombre d'équivalences, d'unités de valeur, que délivre l'université. Et la mise en place de ce doctorat est en train de se faire. Mais elle est validée, elle a été votée, elle est validée, c'est un accord, et l'INP qui dépense, c'est pour ça que je me permettais d'expliquer que la Sorbonne Paris 1 dépend de l'université, donc du ministère de l'Éducation, l'INP, l'Institut National du Patrimoine, dépend du ministère de la Culture. Mais maintenant, ça a été validé, il y a des équivalences, donc, et c'est au niveau master, donc les étudiants de l'INP pourront, dès que la... Le système de doctorat se met en place, mais c'est en cours, directement passer en doctorat. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Et les équipes sont là à l'université. On a les professeurs habilités à délivrer les doctorats, les jurys. Et ensuite, ce sont des jurys spécialisés dans chaque domaine. Voilà, en photo, en peinture, en sculpture, etc. Donc ça va se mettre en place. Les étudiants étrangers sont accueillis, ça va de soi. Hein, il n'y a pas de discrimination, mais la langue... La langue et le niveau, le prérequisite, on va dire, le niveau de bien évidemment, il faut un master pour passer en thèse. Et l'anglais ne sera pas, l'anglais ne sera pas suffisant, il n'y en a pas tous en anglais. Si un étudiant parle anglais, je ne crois pas que l'université française délivrera un mémoire en anglais. Bon, enfin, maintenant, les traductions, ça existe. Hein. Je ne crois pas que ça soit insurmontable. Buenos días, gracias por su compartir con nosotros su expertise. La pregunta que tengo es que durante su conferencia usted mencionó que el precio de mercado de las fotografías es una de las razones por las cuales se conserva y se restaura las fotografías. La pregunta que hago es, ¿será el precio de mercado de las fotografías
que va a estar encima del valor testimonial o documental de las fotografías. Gracias. Alors, merci beaucoup pour votre question, parce que on est dans un monde qui est très très basé sur l'économie et la valeur économique. Moi, c'est pas mon, j'allais dire, j'ai le privilège de travailler pour des institutions publiques. Je suis salarié, je suis fonctionnaire, donc de toute façon, je fais mon travail en dehors de la valeur économique. Et j'ai expliqué que déontologiquement, une photographie qui sur le marché coûterait, je sais pas, mais 20 euros, doit être absolument restaurée avec les mêmes compétences et les mêmes et le même respect qu'une photographie de Gursky qui coûte des centaines de milliers d'euros. Donc sur le plan déontologique, c'est pas intéressant, bien évidemment, et c'est pas du tout notre axe de travail. Par contre, on a une réalité sociale qui fait que nous dépendons d'instances politiques. Que ce soit dans le public ou dans le privé, et bien évidemment le restaurateur privé, lui, il est beaucoup plus soumis au marché puisqu'il travaille pour le privé, donc il travaille pour des collectionneurs qui pendant en photo, bien évidemment, vous le savez, l'histoire de la restauration des photographies, c'est le massacre de collectionneurs qui, très très bien intentionnés, ont fait pendant tout le XXe siècle des restaurations de photographies sans être du tout compétents. Donc, parce que ces photographies ne valaient pas cher, donc on se disait, bon, bah, on intervient, on fait notre petit bidouillage. Un restaurateur, il a quand même, plus il est compétent et diplômé, plus d'une certaine manière il coûte cher. C'est la réalité de la société. Donc, on ne fait pas 8 ans d'études ou 10 ans d'études c'est comme dans tous les domaines. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut différencier la déontologie et la méthodologie, le respect du patrimoine, qui doit mettre sur le même niveau absolument toutes les œuvres, tous les biens culturels, et la réalité du métier, qui fait qu'on sait très bien, on n'est pas non plus naïf, et qu'on sait très bien que ça peut être un argument pour le restaurateur d'expliquer d'ailleurs qu'il vaut mieux restaurer un Le Grès dans toutes les règles de l'art, parce que si on devait l'acheter dans les collections de la ville de Paris, on n'aurait plus l'argent. Donc autant demander à un restaurateur diplômé qui coûte bien évidemment quelque chose de le restaurer plutôt que de le perdre et de plus pouvoir après les racheter sur le marché. Ça, en France, c'est un vrai débat. Parce que les collections patrimoniales, je peux vous dire qu'il y en a énormément en photographie. Partout, partout, partout. Donc d'expliquer ça, c'est un argument. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. Par contre, moi, personnellement, bien sûr, ça fait plaisir à un restaurateur de travailler sur des Le Grès, sur des œuvres extraordinaires, mais il y a des œuvres qui sont aussi émouvantes, qui font partie de ce que j'appelle la photographie vernaculaire. Et c'est aussi intéressant, et c'est aussi une spécialisation. Gracias, Anne. Merci. Bueno, vamos a tomar un descanso. Vamos a ver. Nos espero aquí a las 10:30 y tengo dos anuncios que decirles. Uno es que evidentemente es tiempo de regresar los aparatos de traducción porque ya se van a retirar. Y lo siguiente es que en la mesa de registro hay una serie de encuestas que quisiéramos que el gusto nos la conteste para aquello del perfeccionamiento de estos eventos. Muchísimas gracias.